Coach, hier vous avez promis en réponse, c'est une anecdote en réponse au joueur de la Serbie qui avait dit qu'il ne connaissait pas le Maroc. Donc aujourd'hui, ils doivent se souvenir du Maroc pour longtemps. Non, j'espère qu'ils ont vu une belle image de l'équipe du Maroc. Voilà, j'ai Ivanovic, quand il est rentré avec moi à la mi-temps, il m'a félicité pour la qualité de la première mi-temps. Je pense que la deuxième a été encore un petit peu meilleure. Donc voilà, il faut juste être fier de ce qu'on a fait, tout en sachant que vous connaissez l'adversaire qu'on va avoir. Et là, c'est un autre calibre. J'étais très fier toute la semaine de pouvoir porter mes compagnons dans le centre d'entraînement de la Juve, là où je m'entraîne. Je l'ai déjà dit dernièrement, je remercie vraiment mon club qui a été vraiment très classe. Ils nous ont mis dans des conditions vraiment top. Ils ont vraiment donné le maximum de disponibilité pour nous. Tout le monde a été très surpris d'ailleurs. Mais ça ne m'étonne pas parce que je connais ce club, c'est vraiment un club top. Donc voilà, les joueurs étaient contents, on a fait un bon match devant le stade plein de Marocains. On sait qu'en Italie, il y a une forte communauté marocaine, ils sont venus nombreux. Et ça nous a fait chaud au cœur de sortir à l'échauffement et voir ce stade déjà plein de frères qui nous attendent, qui sont là pour nous supporter. Donc on sait qu'ils sont fiers et que ce sera comme ça jusqu'à la Coupe du Monde. Des attentes pour le match de mardi. Ouais, de rester dans la continuité, comme j'ai dit aux joueurs, c'était un match amical, mais pour nous c'était plus un match de préparation, parce que match amical ça semble un match pour rigoler, et nous on n'a pas le temps de rigoler parce qu'on n'a pas beaucoup de sélections jusqu'à la fin. Si on veut être prêt au mois de juin, ça, il faut les prendre comme des matchs de préparation. Et on a vu qu'aujourd'hui on a respecté la Serbie, qui est une très belle équipe, et on a fait les efforts qu'il fallait pour gagner ce match. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleure solution que de gagner pour se préparer correctement.